vraiment trop content d'être ici. Ouais, on a décidé d'aller se promener là, dans le village. On va rencontrer Jessica là, tantôt pour souper, hein? Ouais. Pour un souper à 5$. Ouais. Alors, c'est le départ. Allons-y. Daniel Boom, c'est son nom. On le chante. À Lincoln, ouais. On est en bas puis on voit la, la... Et en fait du coup quand tu prends une photo tu vois mieux la grandeur des arbres en fait quand t'es en bas. Et genre t'avais de la brume en même temps. Ah ouais, ça c'était beau. Elle est juste magnifique cette photo. Après la sueur et la douleur, la récompense. Barrier viewpoint. Il est à ta gauche, mais tu peux mettre. Oh putain! Gab! Attention. Non, non, c'est le. Excusez, c'est le petit Suisse qui m'a pris la main. J'étais comme. C'est quoi ça? Je pensais que c'était une grosse mouche pour ça. T'as eu peur de... Ça veut dire que t'as eu peur d'une grosse mouche quand même. Ouais. Non, mais on est d'accord. Ouais. Je vais couper ça au montage et tout. Là, on marche sur le bord d'un lac dans la montagne. Maya a l'air d'une vraie alpiniste avec ses deux bâtons. Dans les montagnes. Pristine waters. Clear. C'est tellement turquoise, ça paraît pas, mais c'est vraiment trop beau. C'est comme dans, tu sais là, The Trap, le film canadien là, des années 60. Est-ce que t'as vu ce film-là, Julie? The Trap, écoute-le. C'est sur les trappeurs? Ouais. Mmh. On est sur le bord d'un lac, sur le bord d'un glacier. Puis le lac est à peu près 1600 mètres d'altitude. Ça nous a pris 2 heures, 3 heures, se rendre ici. La vue était écœurante. Alors Maya? C'est tellement beau! Je suis vraiment contente! D'autres commentaires? Hein? Des commentaires sur l'eau? Elle est bien! Mais... Tout ce que j'ai à dire, c'est... Elle est bien! On est bien! On est bien! Regardez ce qu'on vient! Bien, 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 bien! On est bien, 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 bien! Je fais une vidéo, là. Pour qu'il y ait une preuve que je suis venue ici. Pour une raison quelconque, on est très poqué aujourd'hui. Ou comme Julie le dirait, je sais pas comment elle dirait là, elle m'en rappelle. Mais en tout cas, ça c'est nous, notre dernière heure à Whistler, puis on est en train de marcher. Fireside Lodge, c'était vraiment cool. Puis. Là, on réalise que le voyage est quasiment fini là. Ben, en tout cas, ce voyage-ci, bien entendu. Personnellement, à Whistler, j'ai trouvé ça cool. Les montagnes sont incroyables, c'est certainement ça le cas, là. Mais le village en tant que tel est un village touristique qui ressemble pas mal à Mont-Tremblant. C'est fait pour dépenser ton argent et consommer. Ouais. Mais je suis contente qu'on a passé la journée hier à faire la randonnée parce que c'était fou avec le lac, là. Ouais, puis je sais pas, vous avez remarqué dans nos vidéos à date... On a tendance à dire qu'on a hâte d'aller quelque part, on a hâte d'aller quelque part. Ben là, ça donne qu'il n'y a plus de quelque part où aller en ce moment. Il va nous rester 2 jours à Vancouver. On va probablement aller dans des restos qu'on a pas mal aimés. En fait, dans pas retourner à ces restos-là. Ouais. Puis faire le fameux Stanley Park à vélo. East is East. Sinon, ben c'est tout là. L'Ouest, notre conquête de l'Ouest est pas mal terminée. Après... L'océan et les montagnes, on retourne tranquillement à Vancouver pour ouais. Puis un beau 2 jours. Là, on s'en va simplement au Greyhound prendre nos billets. Puis ça coûte 20$. Puis c'est con, ça dure 1h30 de plus de route que si on y allait en auto. Mais bon, on va le faire parce que c'est garanti. Ouais. Puis ça va quand même passer vite, là, on est habitué à la route. Hein. C'est ça. Ouais. On l'a fait en masse de pouces, je pense, cet été. On pouvait se payer un petit luxe, là.
And the mayor in Toronto is smoking his crack, smoking his crack, smoking his crack.